Alors ça y est, on est arrivé au Danemark. On a fait 3 jours de voiture à raison de 10 heures par jour à peu près. On s'est arrêté à Bruxelles chez des amis, c'était super sympa. Là, on est sur la plage pour le dernier bivouac avant d'embarquer dans le bateau demain matin à 9h. On va encore avoir 3 jours de bateau, donc c'est un total de 6 jours de voyage pour arriver en Islande. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, je crois que nous y sommes à l'embarquement pour le ferry, pour 3 jours de ferry. Faut être motivé. Et hop là! Bon là, on monte pas pour la Corse, on va un petit peu plus loin cette fois. On est parti pour l'Islande. Et allez! Et c'est parti pour 3 jours de mer. Il y a comme un léger vent sur le bateau. Et nous voici aux îles Féroé, soit la moitié du voyage. Qu'est-ce qui fait beau? Ça c'est le test pour savoir si t'es bourré ou si ça bouge sévère dans le bateau. Donc là c'est droit hein, normalement. Normalement je filme droit. Ok, il est 21h, il fait plein soleil. Après 3 jours de traversée, on y est enfin. Ça a l'air d'être Islande, on va voir. Et voilà, après 3 jours de bateau, nous y sommes. Enfin, bon, j'espère que ça va être bien. Ce genre de petit décor paradisiaque. La maison typique, le ferry typique, la montagne typique. Et des defs partout. Allez mon coco, c'est parti! Sous le soleil des tropiques! Une petite odeur de... une odeur quoi. Là tu sens la puissance de la terre. Ça boue de partout. Ah, la fameuse douche chaude plantée au milieu de nulle part. Enfin, en tout cas, sur les réseaux, j'ai l'impression qu'elle est plantée au milieu de nulle part. En fait, c'est juste à côté de la route et c'est pas si beau que ça. Et voilà, encore une cascade. Comme toutes les cascades en Islande, il n'y a pas de débit. Il n'y a pas de débit, c'est tout petit et c'est sympa. Bon, et c'est sous le grillot aussi. Thank you.
sublime. Alors, petite mise à jour, vous connaissez les Pyrénées? Et bah, les chemins islandais, niveau secousse, c'est pire. C'est que de la lave volcanique de partout, c'est des roches qui coupent bien comme il faut. Tu te dis, si je dégonfle encore plus les pneus, je vais tout arracher. Et voilà, puis ça alterne, il y a quand même un peu de sable et rebam, ça secoue. Donc on avance, je pense qu'il y a 10 heures de piste aujourd'hui, vu la vitesse à laquelle on roule. Voilà le genre de paysage qu'on a quand il fait soleil. Elles sont vraiment trop sympas ces pistes. Il y a du rouge, du vert, du blanc de l'autre côté, sublime. Et du ciel bleu, ça arrive. Deux rivières différentes qui se mélangent au même endroit. Cette poussière, c'est horrible. Elle est soulevée par le vent, c'est une espèce de silice là, encore plus fin que du sable. Ça rentre partout, où tu crèves de chaud, où tu crèves de poussière. Voilà, on est au bord d'un petit lac, au milieu des montagnes, ultra désertique, et puis il y a un peu de plage, donc ça c'est cool, tu peux rouler sur le bord, sans rouler dans l'eau, mais sur le bord, c'est sympa. We'll be right back.
Allez, on se casse. Une blague. Voilà, on vient d'exploser une petite durée de turbo. Ça, c'est pour la beauté du paysage. Non, c'est pour les mouches. Si je lève ça, donc là, elle est collée avec de colle bicomposant là qu'on va tester. Après, dessus, on va mettre un petit une rustine. Après, du scotch. Et après, des rigsans pour que la pression, vous savez, dans la durite, elle s'ouvre là, comme ça quand il y a le turbo, ne fasse pas tout exploser. Donc ça, c'est la durite qui a explosé. Donc pile sur le coude, évidemment, pile sur l'angle. J'ai mis double, à l'intérieur et à l'extérieur. Après, on a dit rustine, hop, scotch, c'est dégraissé. Et donc c'est la durite du turbo donc qui part de là et qui arrive jusqu'à l'intercooler là-haut, enfin là-bas. Et ça avait fait péter, ouais, une tache d'huile là que je suis en train de nettoyer tout autour. On va enrouler le scotch auto-scellant. C'est quoi ce bordel là? Et on va voir si ça marche. Ça. Il m'a l'air vieux comme le monde le truc. Et voilà, petite réparation de fortune. Quelques rivesans, le scotch auto-scellant. Et on va voir si ça tient la pression du turbo. Bon, la réparation, ça a l'air de tenir. Hein. Là, on a dégonflé les pneus à 1 bar pour avoir un peu de portance dans ce sable noir. Et on va s'attaquer à une grosse montée juste derrière. Ça va être top. Voilà, donc là, il y a un bon petit boudin. Vous voyez comme c'est mou. Et on va se faire la montée juste là. Ça va être génial. Il y a une piste, hein. C'est pas du hors-piste. Allez Billy. I've been out looking at places for so long, but everywhere I look, it points me back to you. Don't you say we got too crazy? A little mischief makes fun. You told me I was your favorite book. Was it true? Autant tu vas en Algérie, t'es sûr de trouver du sable. Autant t'arrives en Islande, on te dit tu vas rouler sur du sable, tu dis mais je vais vérifier quand même. Et oui. On est dans les dunes de sable noir avec les pneus à 1 bar. C'est pas mal. Énorme glacier, deuxième plus grand glacier du monde. Ouais, c'est ça. Ça nous fait quelque chose. Bienvenue au Salar d'Iouni en Bolivie. Alors, on est toujours en Islande. Ah, mais c'est sympa. Bon, comme vous le savez, le bivouac en Islande, c'est qu'à moitié autorisé, mais les campings sont sublimes. Enfin, les campings, c'est des grandes prairies comme ça où t'as le droit de te caler, donc. Ah, c'était super sympa, on vient de se faire un petit bain norvégien, pas du tout, islandais pour le coup. Chaud comme pas possible. En fait, l'eau, elle sort de sous la lave et elle est encore en ébullition et tu te décales de la rivière pour que tu puisses te baigner. Mais sinon, c'est trop beau. Et plein de monde, ils font l'apéro, il est 23h, normal, tout le monde est dans l'eau. Excellent.
descente de rivière en Islande. Normal. Ouh là là. Ça passe, ça passe, ça passe. Là-bas, on voit le glacier, ouais, juste derrière les pieds. Incroyable la lave, c'est sublime. Ok, ok, version, version énorme. Le fou du spectacle. Vous voyez la petite couleur rouge? C'est parce que je suis allumé. Je suis allumé par un brasier de la... Il y a des cascades plutôt sympathiques. Par contre, au niveau du temps, c'est toujours grand soleil. Hein. On se régale. Il fait beau. Ça y est, on est sur Mars. Bon matin, on est monté à Helfoss pour voir une magnifique cascade sous un grand soleil, donc on peut pas la voir parce qu'il y a trop de brouillard. Imaginez le temps en hiver si c'est comme ça en été.
Voilà, ça c'est la vue depuis le cockpit. Magnifique paysage sous un soleil radieux. Bon, on a fait péter la barre stable, on l'a retournée à l'envers. En même temps, on a déboîté le ressort. C'est deux en un. Il y a du vent et du sable dans les yeux, c'est génial. Et voilà, c'est la fin de ce voyage après 5000 km en Islande. On arrive au bout du périple. C'était absolument sublime. La météo, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Face à l'immensité des paysages, on se sent vraiment petit. La force de la nature avec les geysers, les volcans, les cascades, oh, c'était incroyable. C'est effectivement pas la porte à côté, mais je vous recommande la destination. Ça vaut vraiment le coup. Ciao, ciao!